Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à Sepel Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table, un invité avec nous pour tenter de les décortiquer. L'actualité, c'est encore et toujours l'affaire RAM. Le Conseil des ministres est en pleine réunion aujourd'hui. Nous espérons que finalement une décision sortira de là. En traitant, Kibasa a été sauvé, il s'en sort avec son RAM, on parlera de ça. On reviendra également sur l'épineuse question de la Commission électorale nationale indépendante. Mbosso a reçu le rapport de la commission paritaire présidée par M. Mbata, que faut-il faire? Il y en a aussi qui estiment que pour se sortir de toutes ces situations avant les élections, il faut que le Congolais se retrouve autour d'une même table. Quel format? Pour quel objectif? Faut-il partager de nouveau les pouvoirs? Ou c'est pour définir, comme certains le disent, les réformes importantes à mener? On parle de toutes ces questions-là. Un invité m'accompagne ce soir sur ce plateau, un habitué d'ailleurs des nos shows, c'est le docteur Rodrigue Mwamba. Docteur Mwamba, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole du centre parti oui. politique de M. Germain Kambenga. Regroupement politique. Attendez. Il n'a pas de parti politique, il y a seulement un regroupement. Si, il a un... Parce qu'on sait qu'il y a des AFDCA, il y a des CCUA, il y a... Le parti politique initié par Germain Kambenga s'appelle Liberté. Ah, ok. Et Liberté et d'autres partis, d'autres compatriotes ont formé le regroupement politique Le Centre. Lesquels? Si on dit de vous que vous êtes un parti mallette, c'est aujourd'hui que vous allez discuter. Non, beaucoup savent que Kambenga, c'est son histoire, sa plateforme, c'est Le Centre. Mais là, on vient d'apprendre qu'il a un parti qui s'appelle Liberté. Voilà. Non, il y a une forte proximité temporelle quant à la création de Liberté. Je crois que 5 mois après, on créait Le Centre. Et justement, nous avons beaucoup plus mis en avant Le Centre parce que nous sommes allés aux élections sous le label Centre plutôt que Liberté. C'est normal. Avec 0 élus, il faut le rappeler. Si, il y a eu 5 élus provinciaux au Congo central. Ah, mais dans comment ça s'appelle? Il y a plusieurs vieilles chapelles. L'autorité morale, Kambenga lui-même, a échoué aussi aux élections. Nous n'avons pas atteint le seuil. Hein. Échouer aux élections et ne pas atteindre le seuil, c'est deux choses différentes. Nous n'avons pas atteint le seuil qui nous ait permis d'avoir des élus à l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'avec les voix que lui-même avait eues, si nous étions dans l'ancien système de la proportionnelle, il serait bien entendu à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, c'est pas un peu donner du crédit aux gens qui, quand ils parlent de Kambenga, ils disent de lui que c'est quelqu'un qui a des ambitions totalement démesurées, c'est quelqu'un qui se croit plus éléphant alors qu'il ne l'est pas. La preuve, elle est là. Au lieu d'aller s'affilier aux plateformes qui existaient, il crée sa plateforme et il ne réussit pas à avoir les seuils. Non, je pense qu'il est courageux. Je pense simplement qu'il est courageux parce que pouvoir avoir des convictions, les défendre en essayant de se frotter au choix du peuple, il faut être courageux. Beaucoup iraient, bien sûr, choisiraient la voie de la facilité, aller dans des labels, les vieilles chapelles qui ont déjà fait leur preuve. Lui, il a choisi la facilité, il a choisi, malgré toute la carrière qu'il a eue ailleurs, et arrivé là jusqu'où il était arrivé, il a choisi de revenir à zéro et de se construire à partir de zéro. Ça, il faut avoir du courage pour le faire. Donc, je comprends. Le Centre, c'est une plateforme. C'est une plateforme avec plusieurs partis politiques. Il y a le parti d'Ngoï Mulunda, il y a le parti de Micheline Billet, il y a Madame Micheline Billet qui était aussi, qui a travaillé à la CENI à l'époque d'Ngoï Mulunda. Ouais. Il y a Nouvelle Énergie de Bangakia. Récemment, il y a Sursaut Patriotique de Yves Kissombé. Voilà, il y a plusieurs autres partis. Kissombé vous a réjoui aussi, soit dit en passant. Hein. Il a démissionné du PPRD. Il fait désormais partie du Centre. C'est un renfort de taille quand même que vous recevez avec Yves Kissombé. Bon, Yves Kissombé, c'est pas un inconnu. Il est connu du monde politique. C'est une très riche expérience politique aussi, mais aussi de gestion de l'État. Donc je pense que lorsque vous avez des personnalités comme celle-là dans votre mouvement, il y a de quoi en être fier.
Non, mais il y en a aussi peut-être au sein du mouvement qui risquent de croire qu'il veut profiter de ses amitiés avec Mbinga pour aller postuler au Congo central, sachant que la plateforme a 5 députés. Est-ce que c'est pas des... C'est là qu'on dit qu'il faut faire attention. Est-ce que les militants de la première heure comme vous, vous ne risquez pas d'être frustrés avec l'arrivée des Kambinga, comme Yves Kisombe? Parce que visiblement, on a l'impression que ce sont les enjeux électoraux avec le gouvernorat de la province du Congo central qui amène Yves Kisombe là-bas. Peut-être qu'il chutera comme ministre provincial ou comme, comment on les appelle, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment par conviction que vous sentez que M. Yves Kisombe vous a rejoint? Je pense que... D'abord, sur la question des élections de gouverneur au Congo central, je crois que Germain Kambinga, en tout cas, m'a chargé de faire un communiqué là-dessus. Il ne s'agissait pas pour lui, quoique Yves Kisombe soit du centre et qu'il postulait, il ne s'agissait pas pour lui d'imposer cette candidature-là, surtout pas à nos élus. Mais il fallait, les discussions ont été ouvertes et ils sont en cours. Pour... Donc, vous ne portez pas la candidature d'Yves Kisombe? Non, non, nous ne voulons pas. Il ne part pas sous le label, le centre? Non, 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 c'est pas cela. Il est, d'abord, il est indépendant, mais les candidatures elles-mêmes ne sont pas encore officialisées. Mais simplement, le centre, Germain Kambinga n'a pas voulu imposer la candidature de Yves Kisombe aux députés provinciaux. Il a dit qu'il fallait que ce soit un choix consensuel avec tous les députés, mais aussi tous les autres présidents des autres formations politiques qui sont au centre, pour que nous puissions avoir une seule candidature que tout le monde acceptera et que tout le monde portera. Donc à ce stade, nous sommes encore à ce stade-là. Donc ils sont mêmés un peu la charrue devant les bœufs, comme on dit. Non, pas du tout. Il a la bénédiction du parti. Non, pas du tout. Il est là en tant qu'indépendant. Allez suivre. C'est son ambition et c'est tout à fait légitime. On ne peut pas le lui interdire, tout comme on ne peut pas non plus forcer nos députés à le voter pour lui. Donc ça doit être à l'issue d'une décision collégiale. Et voilà, c'est ça la voie que Germain Kambinga a choisie. Et je pense que ces discussions vont aboutir très bientôt et nous saurons qui est le candidat du centre. Parce que le centre, c'est la deuxième force politique à l'Assemblée provinciale du Congo central. Donc nous estimons que notre responsabilité est très grande dans le choix, pas seulement du prochain gouverneur, mais aussi du bien-être des populations du Congo central. Alors, où nous parlons les centres, vous êtes toujours au FCC avec Kabila ou vous... Non, nous sommes toujours au FCC. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sociétaires du FCC. Germain Kambinga est toujours membre du collège de présidents, de la conférence des présidents. Donc, vous êtes dans l'opposition, si on est clair. Donc, le centre est un parti politique de l'opposition. Le centre, oui, justement. Dans la configuration actuelle, le centre est dans l'opposition. D'accord, docteur. Allons immédiatement dans l'actualité. L'actualité dans le pays, c'est quand même cette affaire de RAM. Vous avez certainement suivi l'actualité. Le ministre des Pétentiques, M. Kibasa, a été convoqué à l'hémicycle du Palais du Peuple. Il a donné ses réponses. Pas question de retirer le RAM parce qu'il dit que c'est au Conseil des ministres de le faire. Deuxième argument, il dit que c'est pas son affaire, c'est l'affaire de la présidence. Comment avez-vous jugé cette affaire de RAM? Vous, au centre, comment vous percevez ça? D'abord, je pense que cette affaire de RAM, au-delà de toute la polémique qu'elle peut susciter, toutes les passions qu'il y a autour, nous pensons qu'il faut rester dans la raison. Il faut choisir la raison. Qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, il faudrait qu'on choisisse la raison. Nous ne verserons jamais dans les passions des uns ou des autres, certains qui demandent la tête de certains. Pour nous, le plus important, c'est que où est la raison et où est la part du peuple? C'est ça les vraies questions qu'il faudra se poser. C'est clair que du point de vue de raison, cette taxe, ou même si on l'appelle redevance pour peu importe le nom qu'on lui donne, elle n'a pas lieu d'exister. Rappelez-vous que l'ODEP, par exemple, a fait un rapport selon lequel 40% des recettes de l'État ne sont pas reprises dans le budget, dans la loi de finances, y compris cette taxe RAM. Donc, ça n'est même pas budgétisé. On se demande sur base de quoi elle existe. Elle n'est même pas recensée dans la loi de finances comme étant des recettes provenant de la RPTC, dont on prétend qu'elle provient au fait de la RPTC, que c'est la RPTC qui en a décidé. Mais dans la loi de finances rectificative d'ailleurs de 2021 et dans la loi de finances qui va être étudiée à l'Assemblée nationale pour 2022, il n'y a nulle part où c'est mentionné RAM. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mais le peuple n'en veut pas. Vous n'avez qu'à balader le micro. Aucun Congolais ne veut du RAM. Parce que les Congolais, ils n'ont pas les moyens de payer 7 dollars l'an, alors qu'il y en a beaucoup qui ne rechargent pas 5 dollars l'an dans leur téléphone. Donc à partir de ce moment-là, non seulement cette taxe-là, elle est illégale, mais elle n'a pas l'assentiment du peuple congolais. Et pour finir, c'est du vol
que l'on est en train de faire au peuple congolais. Et ça, nous regrettons l'attitude des députés de l'Union Sacrée. Nous avons vu le premier débat lorsque le ministre s'est présenté. On a vu tout le monde unanimement condamner le RAM. Certains même au sein de la majorité de l'Union Sacrée demandaient la démission du ministre. Mais après une messe noire qui a été faite à l'hôtel du fleuve, où 1000 dollars ont circulé, parce qu'il fallait sauver la face de leur Union Sacrée, face aux pleurs du peuple, ils ont choisi de sauver la face. Ils ont choisi les 1000 dollars, mais nous comprenons, c'est dans la suite logique des palissades, dans la suite logique des 7000 dollars qui ont conduit au changement de la majorité. Malheureusement, les députés ont choisi leur camp. Nous, dans l'opposition, nous avons choisi notre camp. Il ne s'agit pas non plus de faire de la récupération, hein, de dire non, voilà, nous, FCC, c'est nous qui défendons le peuple. Non, non. Nous, nous disons simplement qu'il faut revenir dans la raison. La raison, c'est celle-là. Cette taxe est illégale, c'est du vol institutionnel, et c'est tout à fait illégal, et le peuple n'en veut pas. Dire ça, ce n'est pas être opportuniste. Ce n'est pas essayer de récupérer la situation politiquement, c'est être dans le vrai, c'est être dans la raison. Non, mais être dans les vrais, au-delà de tout, docteur, c'est quand même vous, FCC, qui avez initié le premier cette taxe-là. Quand vous regardez l'histoire du RAM, le RAM, au départ, sa première évocation, c'est avec Mozito, c'est sous Kabila. Le décret qui organise le RAM aujourd'hui a été signé par M. Ilunga Ilunkamba, c'est un premier ministre de Kabila. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie que de récupérer, même si vous ne voulez pas dire que vous l'avez récupéré, de donner l'impression au monde que vous êtes contre le RAM, alors que les vrais initiateurs du RAM, c'est vous, le FCC, ce sont vous. Non, je pense que le RAM, vous le dites, ils le disent, hein, pour essayer de se dire, bon, on n'est pas les seuls à être dans cette, dans ce pétrin, parce qu'aujourd'hui, ils reconnaissent qu'ils sont dans le pétrin. Non, le RAM, certes, le décret a été cité par, signé par Ilunkamba, mais ça ne prévoyait pas que l'on va rentrer dans les... On va rentrer même dans les téléphones des Congolais pour prélever à leur place sans qu'ils n'aient voulu eux-mêmes au préalable y souscrire. Nous, on aimerait que le RAM existe, mais il faut que les Congolais y souscrivent volontairement. Ici, on nous prend notre argent sans nous poser la question. Alors que c'est un travail qui devait être fait par d'autres organismes de l'État. Nous, ce n'est pas à nous de payer à la place de ceux qui importent des petits téléphones contrefaits. On aurait voulu, par exemple, que cette taxe-là puisse être orientée vers les importateurs. On aurait voulu que cette taxe-là puisse être orientée vers ceux qui vendent les téléphones contrefaits, pas envers la population. Moi, je n'ai pas envie qu'on me retrouve mon téléphone sans mon autorisation. Je veux bien qu'un jour, si je perds mon téléphone et que le RAM le retrouve, je veux souscrire de manière volontaire. Ici, c'est une obligation. On ne me demande pas mon avis. Et ça, ce n'était pas dans l'esprit dans lequel le décret a été signé. Vous l'avez signé, mais pas dans la façon dont il est mis en œuvre. C'est mensonger qu'il est dit aujourd'hui, ce sont les kabilistes. Exactement, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Ce n'est pas, ça n'a pas été prévu comme cela. Et d'ailleurs, pour preuve, la loi budgétaire que nous avons laissée, la loi de finances 2021, ne prévoyait pas ça. Ne prévoyez pas là, le prélèvement de 1,7 dollars l'an sur les utilisateurs de téléphones mobiles. Pas du tout. J'étais avec un tshisekédiste ici hier ou avant-hier qui me faisait rire. Il me dit, nos amis du FCC, nos amis kabilistes ratent tout simplement l'occasion de cette terre. Lorsque vous évoquez par exemple la messe noire, on se souviendra de comment les Kambinga et les autres allaient faire la queue là-bas à Kingakati pour recevoir des instructions et venir les imposer ici contre la volonté du peuple à l'Assemblée nationale. On fait exactement pareil. Et quand vous regardez aujourd'hui Kibasa à l'Assemblée nationale, voir sa motion des défiances être annulée par une motion incidentielle, c'est tout simplement les habitudes héritées des Kabila. Pourquoi vous vous plaignez alors que ce sont des pratiques que vous nous avez laissées? C'était ça le mode de gestion du FCC, non? Mais je pense que c'est grave si un tshisekédiste dit ça. Si c'est réellement ça, tel qu'il le dit, qu'il y avait des messes noires alors que Kabila dirigeait, mais ils l'ont critiqué. Mais s'ils l'ont critiqué, pourquoi ils font pareil? Donc ils nous ont envié toutes ces années, ils ont envié les kabilistes toutes ces années pour arriver au pouvoir et faire exactement la même chose. Vous voyez, ça, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Ici, nous parlons de ce que le peuple vit. Ici, nous parlons de la souffrance du peuple. Et pour ça, il n'y a personne qui peut interdire à qui que ce soit de parler au vous motif. Taisez-vous, il vous demande de vous taire. Taisez-vous, on n'a pas de laissons à vous recevoir. Par le passé, aujourd'hui, on nous brandit la lutte contre la corruption. Mais la corruption à ciel ouvert, c'est celle-ci. Où est l'IGF? On veut bien voir l'IGF dans cette affaire. Il n'y a pas que ça.
40% des recettes de l'État aujourd'hui ne sont pas reprises dans la loi des finances. C'est grave. C'est extrêmement grave. Où est-ce que nous allons? Si les Congolais payent des taxes, il y a des recettes de l'État qui sont faites, mais nulle part dans la loi de finances, cela n'est repris. C'est très grave. Et nous pensons qu'on brandit la lutte contre la corruption juste pour des raisons de propagande, mais en réalité, les plus grands corrompus, c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Rien à voir donc quand ils vous disent « vous taisez-vous, vous n'avez rien à dire ». Non, ils sont pires que nous. Ils sont pires que nous, excusez-moi, ils sont pires que nous. Nous, moi je l'ai toujours dit, le régime Kabila, il a eu ses méfaits, ses mauvais côtés, parce que Kabila n'a jamais été parfait. Maintenant, je ne suis pas non plus venu pour faire le bilan des 18 ans de Kabila. Parce que de toutes les façons, quand il prend le pouvoir en 2001 et quand il le laisse en 2018, domaine par domaine, il y a des évolutions et ça, c'est chiffre à l'appui. Maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce qu'eux, ils font à partir du moment où ils prennent le pouvoir 3 ans plus tard? C'est 266 millions de dollars du RAM qui ont déjà été collectés sans aucune justification. Ça, c'est l'ODEP qui le dit. Ce n'est pas 25 millions. 266 millions de dollars en à peine 9 mois ou 6 mois. Mais rendons-nous compte. Où est-ce que nous allons avec ce pouvoir qui fait ce qu'il veut, hein? Docteur Mamba, quand vous suivez les explications du ministre de Kikibassa, par exemple, il dit, un, c'est le conseil des ministres qui avait adopté, deux, c'est RPT, c'est donc c'est une affaire de la présidence et que lui n'a rien à voir. D'ailleurs, dans ce que vous appelez messe noire, il y a eu des fuites, notamment de M. Kabound qui a également évoqué le fait que c'est la présidence de la République qui est derrière l'affaire. Vous vous dites quoi? Aujourd'hui, il faut que les Congolais imposent des réponses au niveau de la présidence de la République. Vous voyez M. Kibassa comme un arbre qui cache la forêt, ou vous dites tout ça, c'est des moyens de se sauver d'une situation dans laquelle ils sont plongés? Nous allons plus loin. Nous pensons même que c'est un moyen pour eux de se faire une santé financière pour financer les élections de 2023. C'est pour ça que les Congolais doivent le comprendre, qu'ils sont en train, par le RAM, de financer leur campagne électorale, malheureusement. Et lorsque vous les rencontrez, la confiance qu'ils ont pour dire « nous allons vous battre en 2023 parce que nous avons les moyens », bon, on se pose des questions, mais ces moyens, ils viennent d'où? On comprend bien que c'est de là qu'ils viendront les moyens pour les élections de 2023. Ils sont en train d'arnaquer, de voler les Congolais pour financer leur campagne électorale en 2023. Et ça, les Congolais doivent le comprendre. Lorsqu'ils viendront avec des bâtiments qu'ils ont construits, des ponts, alors que ce sont des simples individus, comprenez que c'est votre RAM qui a construit cela. Donc RAM est une sorte d'arnaque mise en place pour financer les prochaines élections. Exactement, tout simplement. C'est ce que nous comprenons. C'est ce que nous comprenons. Ils sont en train de s'organiser, de financer leur campagne électorale avec l'argent des Congolais. Non, mais quand le ministre dit que ce n'est pas lui, c'est la présidence, vous voulez quoi? Votre président, vous regardez, les gens de la présidence, vous demandez quoi, M. Tshisekedi? Il ne parle pas de Tshisekedi, il parle de la présidence. Vous voulez quoi? Que la présidence vous retourne votre argent, que le RAM a pris? Moi, je pense que le président de la République a mis le pays sous un cap, celui de la lutte contre la corruption. C'est la énième fois que la présidence est citée. Je crois qu'à partir de ce moment, et la présidence est citée, d'ailleurs un autre rapport du ministère du budget vient de sortir, 111% de dépassement budgétaire en 9 mois à la présidence de la République. Non, on s'interroge, les Congolais s'interrogent et les Congolais exigent des réponses. Quand bien même on ne peut pas les avoir via le Parlement, puisque le président ou la présidence n'est pas rédévable au Parlement, mais on veut quand même qu'il y ait un mécanisme de contrôle. On ne sait même plus faire véritablement confiance à l'IGF, si, en tout cas s'il peut vraiment aller à la présidence et auditer de manière tout à fait objective et de nous montrer un rapport objectif comme ils ont l'habitude de le faire. Les Congolais, ils sont... Moi je remets ce jugement-là aux Congolais. C'est aux Congolais de juger. C'est pas à moi de juger. Les Congolais qui nous regardent, c'est à eux de juger. Qu'ils se disent, est-ce que la lutte contre la corruption, elle est exhaustive ou bien elle concerne tout le monde, ou alors elle ne concerne que certains puisqu'ils sont gênants. C'est la question que j'allais poser. Certains, puisqu'ils ne sont pas dans le même camp. Le président Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption le cheval des batailles de sa gouvernance et de son régime. Vous pensez qu'il est en bonne voie dans ces domaines-là où vous vous dites c'est des fanfaronnades, il n'y a rien dans le fond, on ne travaille pas, la corruption a toujours des... Non, à partir du moment où nous avons l'impression que la lutte contre la corruption elle est bonne,
quand elle concerne d'autres et pas certains autres, surtout lorsqu'il s'agit des procès, hein, des procédures judiciaires. Donc nous pensons qu'à partir de ce moment-là, c'est de la propagande politique. Et ça, je l'avais dit ici. Donc à partir du moment où la lutte contre la corruption, d'ailleurs la lutte contre la corruption, je vais aller plus loin, ce n'est pas l'apanage des pays démocratiques. L'actuel président de la Chine, Xi Jinping, si j'ai bonne mémoire, avait axé sa politique sur la lutte contre la corruption. Parce que son prédécesseur, Hu Jintao, avait fait un diagnostic et il dit que la Chine était minée ou détruite à cause de la corruption. Mais lorsque Xi Jinping arrive, avant qu'il ne soit proclamé président à vie, tous ceux qui s'opposaient à son projet, puisque d'ailleurs il sait que la classe politique chinoise était minée par la corruption, mais ceux qui ont été arrêtés et mis en prison, c'est seulement ceux qui étaient ses adversaires. Comme si ceux qui avaient accepté d'être avec lui, eux n'étaient pas plongés dans la corruption. Donc, nous pensons que la lutte contre la corruption, c'est bien, mais ce n'est pas toujours un indicateur de démocratie. Ça peut aussi être utilisé comme une arme politique pour réduire ses adversaires, tout simplement. Alors, pour que ça soit un indicateur de démocratie, elle doit concerner et les adversaires et les amis. Non, mais Kamere n'était quand même pas l'adversaire de M. Tshisekedi, c'était son directeur de cabinet, hein. Kamere, c'est le procès sans jour. Le procès sans jour, Kamere a été condamné pour environ 50 millions de dollars. Le procès sans jour, ou bien je veux dire, le programme de 100 jours, c'était 500 millions de dollars. Et les 450 autres millions. Pourquoi on n'en parle pas? Je le limite là. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Ce soir, comme invité, nous avons les porte-parole de la plateforme Et Ensemble et de monsieur Germain Kambinga. Avec lui, nous faisons donc la ronde de l'actualité politique ici dans le pays. Alors, vous, pour essayer de prévenir tous ces problèmes, pour lutter contre des éventuels troubles demain, vous appelez les Congolais, vous appelez la classe politique congolaise à se retrouver autour d'une même table. Première question, c'est quoi l'idée exactement quand le centre veut appeler une sorte de forum, une sorte de dialogue? Vous visez quoi l'objectif? L'objectif de cet appel, il est quoi? Voilà, merci beaucoup. Donc je pense d'abord que la Troisième République, lorsqu'elle est inaugurée en 2006, avec les élections, les premières élections de président de la République, que tout le monde a jugé de démocratique, etc., où Joseph Kabila a été élu, on inaugure la Troisième République. Mais depuis le début, il y avait déjà un problème de cohésion nationale et d'unité. Parce que Joseph Kabila arrive dans ce contexte-là. La classe politique était divisée, mais aussi la société, le pays lui-même était divisé. En avançant, il a fait les efforts qu'il a pu, mais il n'a pas pu réunir tous les Congolais. Malheureusement. Parce que du point de vue sécuritaire, il y avait des communautés, surtout à l'est du pays, qui continuent à se battre entre eux. Joseph Kabila, lorsqu'il part du pouvoir, c'est vrai que plusieurs guerres on a mis fin à ça, mais les guerres intercommunautaires, les conflits intercommunautaires sont restés d'actualité. Nous arrivons en 2018, les élections exacerbent encore une fois cette crise-là. D'abord entre les communautés, ça c'est du point de vue sécuritaire. Toutes ces communautés qui se battent à l'Est contribuent donc à l'insécurité au niveau de notre pays. Donc nous pensons qu'il faut des pourparlers parce que l'état de la cohésion et de l'unité nationale sont mis à mal. Et ça, ce n'est pas seulement nous qui avons fait ce diagnostic-là, c'est aussi le président de la République. C'est le président de la République qui a été le premier à le faire. Lorsqu'il prononçait son premier discours le 24 janvier 2019, il appelait déjà à cette époque-là à un forum sur l'unité et la cohésion nationale. Le 12 juillet, étant donné que nous pensons qu'en 2023, ce sera un moment d'acutisation de tous ces foyaux dormants de crise entre Congolais ou de tension entre les Congolais, nous avons pensé qu'il fallait d'abord baisser les tensions, avoir un consensus général, non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine de la justice, dans le domaine du fonctionnement de notre démocratie. On voit bien la mésentente qu'il y a entre les confessions religieuses sur le choix du président de la CENI. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Assemblée nationale va peut-être essayer d'imposer un point de vue unique, ce qui va avoir, bien entendu, des répercussions sur la cohésion et l'unité nationale. Donc, on va en parler d'ailleurs dans le dernier thème de cette émission. On va encore plus se diviser. Donc, nous pensons qu'au lieu d'aller dans ce schéma-là, où on a une majorité qui pense qu'elle a toujours raison, qui veut imposer à elle seule
sa vision et s'inféoder la CENI, etc., nous pensons qu'il faut plutôt aller dans un schéma où nous sommes, par rapport aux fondamentaux, que nous puissions tous nous entendre dans le domaine sécuritaire, sur le plan du fonctionnement de la justice, sur le plan du fonctionnement de notre démocratie, mais aussi sur le plan de social. Parce que je vous rappelle qu'il y a tout un tas de corps sociaux, les enseignants, les infirmiers, les médecins qui sont en grève. C'est le rôle de gouvernant, c'est pas le rôle des conciliers en bulle, tout ça, quand même. Vous voulez qu'on ait des conciliers en bulle, la conciliers en bulle. Kabila a fait ça, docteur Mwamba. Nous avons eu San City, nous avons eu Gaborone, nous avons. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut laisser une chance à M. Tshisekedi qui est au pouvoir de diriger en 2023? Il viendra nous rendre compte pour renouveler soit son mandat, soit être sanctionné par les Congolais. Ou l'objectif, on connaît, Kambinga est à la maison, on sait que ce genre de situation amène toujours un partage des gâteaux, peut-être que l'homme est en train de lorgner à un poste. Les politiques, vous cherchez un moyen pour revenir aux affaires? Non. Je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est celui des fondamentaux. Il ne s'agit pas des politiques publiques. Nous n'essayons pas de se dire, bon, écoutez, mettons nos idées ensemble sur la façon dont nous allons gérer. Ici, il s'agit des fondamentaux, des règles qui doivent nous régir tous. Non, mais vous parlez. Parce qu'après, il y aura l'opposition. Vous parlez de la question des salaires. Là, on est déjà dans la gestion de la République. On est dans des politiques publiques. Pourquoi on dit ça? On veut, justement, vous avez évoqué les dialogues sous Kabila qui aboutissaient toujours au partage des gâteaux. Le forum que nous proposons, c'est un forum différent, qui ne concerne pas que les politiques. Parce que nous pensons que les crises, si elles existent, et elles sont de plusieurs ordres, je les ai énumérées ici, entraînent plusieurs acteurs, pas seulement les politiciens, mais qu'il y a les leaders des communautés locales, il y a tous les corps sociaux, les corps sociaux, je veux dire, les corporations professionnelles, mais aussi les confessions religieuses, la société civile, etc. Tout le monde a besoin d'apporter sa pierre pour que nous puissions construire ensemble la structure qui doit tous nous soutenir. Par exemple, prenons la question des élections en 2023. Le plus important pour nous à ce stade, alors qu'il y a toutes ces dissensions, ce n'est pas de privilégier la voie du passage en force. Parce que certains diront, l'union pour sacrée est la majorité, alors elle va décider. Alors qu'il n'y a aucune base légale qui leur permette de décider. Donc, pour nous, le plus important, c'est de mettre les gens autour d'une table pour qu'on s'entende sur la base, les règles du jeu qui doivent tous nous diriger tous aux élections de 2023. Donc, nous sommes sur les fondamentaux. Nous ne sommes pas sur l'application des politiques publiques. Donc, notre dialogue ou le forum que nous demandons ne doit pas avoir pour nous, en tout cas c'est ce que nous pensons, la finalité, le partage de pouvoir. Pas du tout. Mais que nous puissions nous mettre ensemble, d'accord, sur les fondamentaux qui doivent guider l'action de l'État. Et quel format vous voulez donner à ça? Quoi? Des négociations ou des débats à la CENCO, au type CENCO, Gaborone? Je ne comprends pas, moi. Je sens que de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour ce genre de dialogue. Nous, Congolais, qui vous regardons de loin, vous, hommes politiques, sincèrement, si vous voulez avoir mon point de vue, on en a marre, hein. Qu'après chaque cycle, qu'on se retrouve pour discuter, ça va peut-être aboutir à un glissement. Quel format vous donnez à votre forum? Vous voulez qu'il se passe comment? Le format, nous laissons cette latitude à celui qui a pris l'initiative, c'est le président de la République, parce que je signale que le Conseil des ministres a adopté les termes de référence de ce forum. Le Conseil des ministres qu'il y a eu le 5 octobre a déjà adopté les termes de référence de ce forum-là, donc je pense que c'est à eux de fixer le format. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut, ça doit être les personnes qui vont pouvoir participer à ce forum-là. L'échantillon doit être le plus large possible pour englober non seulement les politiques, mais aussi tous les autres acteurs sociaux impliqués dans les différentes crises que nous avons. Voilà le format que nous demandons. Nous voulons que ce soit plus large et que ça ne soit pas juste une affaire des politiciens et après, ils vont se distribuer les postes. Mais qu'aujourd'hui, ce forum est opportun parce qu'il y a plusieurs questions qui divisent les Congolais sur les fondamentaux. Et si les fondamentaux, nous nous entendons tous, après l'opposition et la majorité continueront à faire leur travail comme d'habitude, mais nous serons d'accord sur les règles du jeu qui doivent nous réguler tous. C'est peut-être le contenu qui dérange, parce qu'il y en a aussi qui demandent là, appelons ça forum, négociation ou dialogue, mais qui, eux, pensent qu'il faut se retrouver autour d'une même table au fin de mettre en place des réformes importantes, comme Martin Fayoul. Vous pensez qu'on peut aller dans ce sens-là? Il peut trouver son compte dans votre forum à vous?
Bien sûr, j'ai participé avec un cadre de la Mouka dernièrement sur un débat là-dessus, et ils sont tout à fait d'accord, même s'ils veulent restreindre le cadre aux seules questions électorales, nous disons que non. Le consensus, il est nécessaire, pas seulement sur les questions électorales, mais il faut réconcilier les communautés à l'Est aussi. Ça aussi, c'est très très important, les questions sécuritaires. La question même de l'action de la justice, où aujourd'hui nous pensons que sur le plan du fonctionnement de la justice, il y a deux poids, deux mesures, parce que c'est plus certains camps politiques qui sont attaqués plus que d'autres. Je pense que sur le plan du fonctionnement de la justice, nous devons aussi avoir absolument une même vision des choses, pour que la justice soit réellement juste pour tout le monde. Mais il y a aussi les questions sociales. Il y a Les Congolais ne comprennent pas pourquoi, par exemple, en 2022, la présidence de la République aura un surplus budgétaire de 50%. Toutes les institutions auront une augmentation budgétaire, mais des coupes budgétaires dans le domaine de la santé, des coupes budgétaires dans le domaine de l'enseignement. Les Congolais ne comprennent pas ça. Ça, ce sont les fondamentaux qui doivent nous régir. Et sur ces fondamentaux-là, il nous faut qu'il y ait des consensus. Justement, par rapport au consensus, par rapport à la CENI, on sait que les confessions religieuses n'arrivent toujours pas à s'entendre. Catholiques et protestants disent non à ce que les six autres confessions religieuses font. Mbosso a reçu le rapport de la commission paritaire rendu par M. Mbata qui en est le président. Est-ce que vous pensez que votre forum doit intervenir pour résoudre ce genre de problème? Ou comme le disent par exemple les gens de l'UDPS, respectons la loi. La loi a dit, lorsqu'il n'y a pas d'entente entre certaines structures, certaines branches, c'est l'Assemblée nationale qui doit résoudre le problème. Là, nous sommes en plein respect des textes qui nous régissent, non? Non, je suis curieux de connaître quel est le texte, quel est l'article de ces textes-là qui le dit. La loi se limite simplement à dire, et ça c'est l'article 12 de la loi organique qui... Pourtant, fonctionnement de la CENI. C'est simple, il y a une commission paritaire qui doit être mise en place lorsque les procès-verbaux des différentes composantes arrivent. Le travail de la commission paritaire se limite où ? À examiner les différentes candidatures, à proclamer si elles sont conformes ou pas à la loi, et ensuite venir présenter le rapport au niveau de la plénière. Mais à partir du moment où les procès-verbaux qui sont arrivés, ou ne sont même pas arrivés, d'abord pour l'opposition et même pour les confessions religieuses, parce qu'il y a deux procès-verbaux. Il y a celui qui est signé par « oui, confession religieuse », faisant état d'un manque de consensus, et un autre, totalement illégal, qui est signé par les six autres confessions religieuses. Rappelons ici que Ronsard Malonda n'a pas été investi à cause du fait que les catholiques et les protestants l'avaient récusé à l'époque. Donc, nous pensons qu'il n'y a aucun soubassement légal à ce que l'Assemblée nationale aujourd'hui puisse se prononcer sur des rapports qui ne sont jamais arrivés. Sinon, c'est une forfaiture. Et nous, au FCC, nous remettons même en cause le fonctionnement, ou bien je vais dire la constitution même, d'une quelconque commission paritaire. Parce que ce qui a été à l'Assemblée nationale, ça n'était pas une commission paritaire, c'était une commission de l'Union sacrée, et pas une commission paritaire. Donc à partir de ce moment-là, cette question-là ne se pose pas. Il n'y a jamais eu un travail d'une commission paritaire. Il n'y a jamais eu des procès-verbaux, ni de l'opposition, ni même des confessions religieuses. Donc rien n'est fait. Et comme nous sommes dans une impasse, l'unique solution... Monsieur Mwamba, mais lorsque le président de l'Assemblée, par exemple, Mbosso, dit qu'il respectera la loi, il va écouter... Le rapport de la commission paritaire, il dit même que UDPS va contre l'élection. Vous dites quoi? C'est une méconnaissance de cette loi de la part de M. Mbosso? Non, c'est pas la question. Quand il va respecter la loi, c'est quelle loi qu'il veut respecter? Il parle de la loi organique portant organisation de la fonction de la CENI. Respecter la loi organique portant organisation de la CENI, c'est d'abord mettre en place une commission paritaire qui a le membre égal de l'opposition et de la majorité. C'est ça, respecter la loi. Il la respecte pas. Il n'a pas respecté cette loi-là. Cette commission-là n'a jamais existé. Ça, c'est la première chose. Il est l'instigateur et il sera le seul responsable ou l'un des responsables du fiasco électoral qu'il aura en 2023. Au moment où je vous parle, Ensemble, qui n'a pas non plus envoyé des délégués à la CENI, va réévaluer sa participation à l'Union sacrée à cause de ce forcing qui est en train de se préparer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous disons, si l'UDPS n'a pas participé aux élections de 2006, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais j'attire l'attention du président Mbosso.
que la constitution de la CEI à l'époque n'a pas souffert d'abstention. La constitution de la CEI à l'époque n'a pas du tout souffert parce que selon la loi, toutes les composantes qu'il y avait qui étaient citées pour composer la CEI à l'époque avaient envoyé des délégués. La majorité avait envoyé, c'était pas la majorité à l'époque, c'était le gouvernement. Le MLC avait envoyé, le RCD avait envoyé, les Maïmaï avaient envoyé et l'opposition politique non armée à l'époque avait envoyé. Mais de quoi on parle ? Aujourd'hui, il y a l'opposition dans toute sa diversité qui n'a envoyé aucun membre à la CENI. Les confessions religieuses, à moins que l'on considère que cette forfaiture des six confessions, des six autres confessions est légale, mais c'est illégal, c'est en dehors de leur propre charte. Les confessions religieuses n'ont pas envoyé, et même dans leur propre majorité, ensemble, UNC, n'ont pas envoyé. Mais de quoi on parle ? Ici, il s'agit de respecter la loi. Et cette loi-là, ils ne la respectent pas. Au stade où nous sommes arrivés, puisque les tentatives de conciliation des confessions religieuses n'ont pas marché, nous en appelons au président de la République d'accélérer la tenue de ce forum pour que cette question-là ne puisse plus être confiée à l'Assemblée nationale, mais qu'elle soit confiée dans le forum pour la cohésion. Non, mais j'allais poser justement la question sur la recette. La recette pour se sortir de la situation, pour vous, on suspend les manœuvres de Mbosso à l'Assemblée nationale, exactement, on arrête ce que font les confessions religieuses, on ramène tout dans ce forum que vous vous appelez de tous vos voeux là. Mais on n'a pas arrêté ce qui s'est fait dans les confessions religieuses. C'est clair qu'il y a une impasse là-bas, il n'y a plus rien à espérer, même si Monseigneur Outembi, le secrétaire général de la CENCO, a dit que le président, président. CENCO, a dit qu'ils étaient prêts à continuer à dialoguer, mais on voit bien que les six autres confessions religieuses, telles les automates, ont choisi de camper dans leur position. Donc à partir de ce moment-là, pour nous, la seule solution, puisque le soubassement de ce problème est politique, il faut absolument que ce forum-là puisse décanter la situation et que les Congolais se mettent ensemble. C'est le seul espace où nous aurons l'AMUKA, nous aurons le FCC, nous aurons la société civile, nous aurons l'Union sacrée, pour parler franchement des problèmes du Congo. Et ça nous épargnerait tout ce forcing que veut faire Mbosso et son Assemblée nationale. On verra bien. On verra bien parce que là, peut-être que nos amis de l'UDPS ne verront pas les choses sous cet angle-là. Mais comment ils verraient les choses sous cet angle-là ? Non, mais parce qu'ils le disent. Ils disent qu'il faut respecter la loi. Des gens qui estiment que c'est leur pouvoir à eux, qui vont les défendre en donnant des armes à leurs militants. Vous pensez franchement qu'ils peuvent entendre raison maintenant ? C'est pourquoi nous en appelons au président de la République. Ah, mais le président de la République est leur fils. Non, c'est un fruit de l'UDPS. Non, le président de la République, il est le président de tous les Congolais. Donc nous aussi, nous ne pouvons que nous référer à lui. Et c'est pourquoi, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, nous lui faisons cet appel-là. Nous estimons qu'il nous a déjà répondu lorsque les termes de référence ont été adoptés en Conseil des ministres. Nous lui demandons maintenant d'accélérer pour la procédure. Il y a un épouvantail qu'on présente au peuple congolais, celui du temps. Voilà, c'est peut-être les glissements que l'on va préparer. Mais non, si nous nous mettons à discuter tôt, aujourd'hui, eh bien, nous pouvons aller aux élections 2023 sans aucun problème. Non, moi, je rappelle qu'en 2011, la CENI a été constituée en mars 2011. Les élections ont eu lieu en décembre 2011, soit 8 mois seulement. Nous sommes à 2 ans des élections de 2023. Non, mais là, nous pouvons. Là, il y avait déjà l'ancien bureau de la CENI qui avait fait les opérations, notamment de la révision du fichier électoral, les opérations de la cartographie électorale. Là, on est en retard. Nous encourageons l'actuel bureau, parce que de toutes les façons, la loi leur donne le droit de rester en place jusqu'à l'entrée en fonction des autres de notre bureau, de continuer ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire bientôt on aura des projections budgétaires par rapport aux élections de 2023 et qu'ils continuent avec ces actions-là jusqu'à ce que nous allons nous mettre tous d'accord sur qui va diriger la CENI demain. Vous pensez que c'est possible les élections en 2023 ? Parce que beaucoup commencent à dire... Non, c'est tout à fait possible. À moins que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui aient peur de remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Mais nous pensons que les élections, c'est tout à fait possible. Mais nous estimons que nous ne pouvons pas aller dans ces conditions-là. Où la Cour constitutionnelle a déjà été inféodée et que le pouvoir de l'Union sacrée veut inféoder la CENI à ses volontés. À partir de ce moment-là, avec ensemble, avec la Mouka et tous les autres, nous disons non et nous n'irons pas aux élections dans ces conditions. Sous quelles conditions vous accepterez un glissement ? Est-ce que c'est possible d'en avoir ou vous êtes des jusqu'au boutistes, pas une seule seconde de plus avec sans élection, vous vous dites on est en politique, on peut arrondir les angles. Nous pensons même que la question ne se pose pas. Au stade où nous sommes,
dire qu'il y aura glissement, honnêtement, c'est aller trop vite en besogne. Parce que tout peut encore se faire. Si l'actuelle équipe de la CENI peut déjà faire des projections budgétaires, peut déjà entamer même l'enrôlement des électeurs, nous pensons qu'en 2023, les élections sont possibles. Et nous pourrons, comme en 2011, installer le bureau même l'année prochaine et ils vont travailler, ils vont commencer le travail. Ce que nous disons, c'est que nous refusons d'aller aux élections dans ces conditions où il y a un président de l'Assemblée nationale qui impose sa volonté, ou une majorité constituée comme elle a été, qui essaye d'imposer sa volonté à toute une nation. On va quitter un peu la sphère politique pour parler ce qui concerne le social des Congolais. La question importante, c'est la rentrée scolaire. Vous êtes Congolais, vous avez certainement vu dans quelles conditions les parents se sont battus pour renvoyer les enfants à l'école. Il y a un problème entre les écoles conventionnées catholiques, dont certaines, pour la plupart d'ailleurs, n'ont pas encore repris les enseignements, et l'État, représenté par le ministre de l'EPST. Comment jugez-vous cette guerre quand on sait que le ministre a dit que c'était une grève sauvage et que Tony Mwamba a même décidé de désactiver certains enseignants catholiques des circuits de la paie? Tout à fait illégal, la décision du ministre. Mais il faudrait quand même dire que les écoles catholiques sont historiquement comptées comme les meilleures écoles du point de vue de la qualité de la formation. Et je pense que plusieurs dirigeants, plusieurs bons dirigeants ou plusieurs dirigeants, plusieurs grands intellectuels de ce pays ont eu à fréquenter les écoles catholiques. Et ça, c'est mis à part certaines écoles privées qui excellent dans la matière. Lorsque la gratuité devait être mise en marche au FCC, nous étions en coalition avec nos frères du CASH. Nous avions dit que c'est bien la gratuité, nous sommes tous pour la gratuité. Mais attention, nous voulons que la gratuité puisse être correct, c'est-à-dire qu'elle puisse non seulement valoriser l'enseignant, mais aussi qu'elle puisse valoriser la qualité de l'enseignement. Les amis du CASH, eux, avaient choisi de faire un passage en force, d'aller emprunter de l'argent au FMI pour venir financer, pour venir payer des salaires, c'est-à-dire une grosse dette d'un milliard de dollars que les enfants ou que nos enfants vont devoir payer dans le futur. Alors que le Congo, c'était parmi les pays qui étaient les moins endettés au monde. Après la paye, bien sûr, des 13 milliards de dollars hérités du système Mobutu, par le régime de Joseph Kabila. Il y a eu des états généraux de l'EPST qui se sont tenus et qui avaient conclu qu'il fallait environ 1,5 milliard de dollars pour financer la gratuité de l'enseignement. Par an. Par an. Et qu'il fallait pour ça une taxe spéciale qui devait être créée pour financer la gratuité de l'enseignement. Mais pour des raisons de populisme, à l'époque, le pouvoir, ce qui est devenu aujourd'hui l'Union Sacrée, a choisi d'aller emprunter de l'argent par-ci, par-là, pour commencer à payer des enseignants et partager non pas la prospérité, mais la misère. C'est-à-dire que les enseignants qui gagnaient un peu plus, qui avaient des responsabilités, vont se voir, en tout cas la plupart étaient dans le privé, dans le secteur catholique. Ces enseignants-là ont vu leur salaire divisé par deux, par trois, malheureusement. Et tous ces responsables, des milliers et des milliers d'enseignants, tous ces responsables-là se voient avec un salaire divisé par deux, divisé par trois. Et c'est ça la difficulté à laquelle ils sont butés aujourd'hui. Et cette question-là, le ministre, au lieu d'y répondre, veut faire un forcing, au lieu de promouvoir le dialogue social, il veut s'imposer avec maladresse d'ailleurs, parce qu'il va désactiver des fonctionnaires de l'État, ce qui est tout à fait illégal. Et la procédure n'a pas été suivie. Le monsieur n'a même pas été entendu. Pas du tout. Et ça, c'est tout à fait illégal. Nous pensons qu'on ne peut pas partager la misère. Nous devrions plutôt partager la prospérité. Et pour ça, le gouvernement de l'Union Sacrée, je vais dire l'Union Sacrée, veut que nous partagions tous les peu. Je veux dire, ils veulent que nous partagions tous la misère au lieu que nous partagions la prospérité. Donc à partir de ce moment-là, ça ne marche pas. Le problème, c'est dans la conception même de la façon dont on a conçu cette gratuité. Le problème, il vient de là. Et c'est pourquoi nous sommes dans ces difficultés. Et ce n'est pas près de finir tant que nous ne reviendrons pas dans les recommandations des états généraux de l'EPST. Non, mais quand ils vous disent que les catholiques sont en train de combattre la gratuité de l'enseignement lancée par le président de la République, vous n'y croyez pas. Hein? C'est... Non, mais pourquoi ils le combattraient? Pour quelle raison ils combattraient la gratuité? Non, mais ils gagnaient quand même énormément. Hein? Vous dites que c'était parmi les meilleurs enseignants, mais c'était aussi parmi les écoles les plus chères quand même du pays. Hein? Je pense que si vous allez partout ailleurs,
L'enseignement de qualité est toujours cher. Elle a toujours un coût. Toujours un coût. Ce que nous voulons, et nous, nous avions proposé cela, c'est de suivre les recommandations de l'EPST, des états généraux de l'EPST. Créer une taxe pour financer la gratuité de l'enseignement. Ce pouvoir a choisi d'aller s'endetter. Et maintenant, il y a des difficultés. Ils ne savent pas comment le régler. Et nous avions prévenu tout ça depuis le départ. Parce qu'il y a une bonne frange de... Personne n'acceptera aujourd'hui qu'au nom de la solidarité, ils perdent 50% de son pouvoir d'achat. Personne ne l'acceptera. Et ça concerne des milliers et des milliers d'enseignants du secteur catholique. Je pense qu'il faudrait... Il faudrait quand même avoir un cœur et voir la situation avec réalisme plutôt que dans un élan de populisme. Ça, c'est pas correct. Docteur, on va finir cette émission. Je sens que vous parlez un peu avec votre cœur hein, quand vous parlez de la gestion. Mais vous nous dites quand même pas que M. Tshisekedi fait aussi certains exploits. Vous avez laissé les réserves d'échange à 1,3 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 3 milliards. Vous avez suivi récemment, on nous rapporte qu'il ramène un peu plus d'un milliard de dollars américains de son voyage des Émirats Arabes Unis. La gratuité de l'enseignement que vous reprochez. Non, c'est pas nous, c'est les enseignants. Est-ce qu'il y a quand même un mieux aussi, quand même, dans sa gestion des fers où vous vous dites, tout au noir, il n'y a rien de bon qui s'est fait avec le régime de M. Tshisekedi. Écoutez, moi, nous, au centre, en tout cas, on n'est pas dans cette logique-là de ne voir que du noir ou que là où les choses ne marchent pas. C'est pas ça. Le verre peut être à moitié plein. Ça dépend de l'interprétation de chacun. Les uns se verraient à moitié vide, les autres le verraient à moitié plein. Donc, nous pensons qu'il y a, lorsqu'il y a des avancées, nous les saluons. S'il y a 3,3 milliards de réserves aujourd'hui, bravo. Mais je vais signaler que les réserves laissées par Joseph Kabila ne l'étaient pas grâce au DTS, les droits de tirage spéciaux. Ça, c'est des dons que le FMI ou la Banque mondiale a fait au monde entier. Et la RDC a reçu ce don-là. Ce n'est pas de la production interne. Mais quand même, puisque ça nous profite, si ça nous profite, parce que la suite logique de l'augmentation de ces réserves de change serait la baisse du taux de change. Mais au contraire, le taux de change, lui, il continue à augmenter et on se demande bien si cet argent-là existe réellement dans nos comptes. Voilà. Vous qui doutiez de la lutte contre la corruption, quand on nous dit aujourd'hui que nos services d'assiette, la DGI, la DGRAL, la DGDA font des plus de 100% de recouvrement des recettes, vous n'y croyez pas non plus hein. On se demande, mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il y a des coupes budgétaires dans le domaine de la santé pour 2022? Pourquoi il y a des coupes budgétaires dans le domaine de l'enseignement en 2022, alors qu'il y a des augmentations pour les institutions de l'État? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi il y a des coupes budgétaires dans les domaines sociaux, alors que les institutions, elles, il y a des augmentations jusqu'à 50% pour la présidence? Bon, c'est bien beau de chanter, mais cet argent-là, tant que le peuple congolais ne sent pas son quotidien s'améliorer, bon, je crois qu'il y a des raisons de douter de tous ces chiffres-là, surtout que ce n'est pas certifié par des organismes indépendants. Docteur Rodrigue Mamba, merci d'être venu nous voir. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc Rodrigue Mamba, qui est porte-parole de la plateforme Ensemble de M. Germain Kambinga. Avec lui, on a fait... Qu'est-ce que je raconte? Parce qu'on a parlé là, ensemble. Le centre, ensemble, le centre. Voilà, de M. Germain Kambinga. Avec lui, on a fait la ronde de l'actualité dans le pays. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique qui nous a aidés à entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet, si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.